Invités par l'ONESI le mardi 7 février au plateau, les imams et guides religieux sont appelés à s'approprier le processus de modernisation de l'état civil. Ils ont été instruits de l'état d'avancement de la modernisation de l'état civil non seulement, mais aussi de la nécessité de déclarer les naissances et les décès. La rencontre d'aujourd'hui se situe dans le contexte général de la communication, surtout la sensibilisation que l'ONESI est en train de mener à l'égard de tous les acteurs, tous les corps sociaux, pour que la modernisation de l'état civil soit vraiment la chose qui soit la plus connue de tout et qu'on puisse avoir l'adhésion de tout le monde pour que cette modernisation soit vraiment effective. Les guides religieux ayant saisi l'importance des déclarations s'engagent à prolonger la voie de l'ONESI par la sensibilisation dans leurs différents lieux de culte. Nous sommes prêts aussi pour aider le gouvernement à lancer le message, à sensibiliser la population en fonction de notre capacité. Nous sommes très contents, en tout cas pour cette information, et nous demandons à Dieu le Tout-Puissant de donner encore plus la force à l'État pour pouvoir accomplir sa mission. La rencontre a été l'occasion pour les imams de relever toutes les difficultés rencontrées par leurs membres pour l'établissement des actes de naissance. Difficultés auxquelles le directeur général de l'ONESI et les experts ont apporté des explications.